salut à tous et bienvenue dans l'épisode 15 du let's play d'Alien Isolation. J'allais dire de la survie à tout prix, mais la survie à tout prix, ça fait longtemps que c'est fini. Alors j'en étais où moi? J'étais reparti en arrière si je me rappelle bien. Ah non, ok, je dois aller par là. Par là, tac. C'est fermé, et je suppose que si je m'approche c'est toujours fermé hein. Porte fermée, effectivement. Par là, est-ce qu'il y a moyen? Non. Par là. Tac. Oui, par là il doit y avoir moyen. Donc il faut faire gaffe, on avait l'alien qui nous coursait. J'ai cru qu'elle allait pas s'ouvrir. Toi qui allait bien s'ouvrir. Donc j'ai toujours le lance-flamme, que je sais pas s'il est utile ou pas. Alors, tac, on va par là. Tac, il doit y avoir moyen d'aller par là. Je sais vraiment pas où je vais, honnêtement. Oh mais non, attendez, il y a moyen de passer par là. Donc j'étais reparti en arrière pour sauvegarder, si je me rappelle bien. Oui, donc j'ai mes deux chiens avec moi, donc je vais sûrement faire quelques ellipses. Je m'excuse déjà d'avancer si c'est le cas. Par là, non, ça sert à rien. Je sais plus d'où je viens en fait. Donc ça, je me rappelle, là, de cet endroit horrible. D'ailleurs, on entend toujours l'émetteur de son que j'avais lancé. Est-ce qu'il y a seulement un endroit où je peux passer vers là? Je ne sais même pas. Je sais plus d'où je vais en fait. C'est vraiment ça le gros problème. Est-ce que je peux mettre à jour la torche plasma? Par où est-ce que je peux passer moi? J'étais passé par là alors. Hein. Je sais plus d'où je viens du tout. Je courrais bien, mais le problème c'est que l'alien va sûrement pas tarder. Parce qu'il arrêtait pas de se balader ici, ça a l'air plutôt calme bizarrement. Bon, il y a la droïde là, mais bon, on s'en fout de la droïde. La droïde il est gentil avec nous. On va aller par là voir s'il y a. Bon, moi c'est ouvert en tout cas. Alors. Ok. Ah. Ça c'est une amorce. Je suis pas encore venu ici apparemment. Donc j'entends l'alien mais j'entends qu'il est pas en bas. Là il y a moyen d'ouvrir, est-ce que ça m'amènerait... Ça peut m'amener à bon endroit. Je sais bien qu'il y a une sortie de conduit juste derrière moi. Et c'est ça qui me fait flipper en fait. Ah ok, c'est l'endroit d'où je viens ça. Donc ça c'est l'endroit de base. Comment je fais pour retourner à la salle d'attente si stack? Évacuer le centre des serveurs. J'aimerais bien mais j'ai tout fermé moi. Ok, tout n'a pas l'air d'être fermé. J'ai vu le conduit là, juste là. Ok, donc t'es en train de me dire qu'il faut que je me tue avec quoi. Dans le pire des cas.
Je sais pas si je dois monter ou descendre en fait. Changer d'étage. Mais on peut pas choisir étage au-dessus ou étage moins. Donc ça c'est mon étage. Ça c'est quel étage? Je sais pas si quel étage en fait. Je crois que c'est en dessous. Si c'est en dessous, on va essayer. Donc on va descendre. On va voir où ça mène. Dans le pire des cas, on devra remonter. Ce serait assez dommage. Et je me suis fail du coup. Bon alors, il faut encore descendre. Non, il faut pas encore descendre. Mais attendez, là il y a un point de sauvegarde, donc je vais aller sauvegarder quand même. C'est la moindre des choses. Il est où le point de sauvegarde? Il est à l'intérieur? À l'intérieur, ouais. Ok. Bon, je sais pas si c'est une super bonne idée de sauvegarder ici, mais bon. De toute façon, je peux retourner à mon ancienne sauvegarde dans le pire des cas. Voilà. Allez. J'ai envie de me lever et de courir. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment envie. Ce serait dommage de se faire griller par l'alien en faisant ça, quoi. En faisant cette erreur. Alors. Ici. C'est bien ici. Tire pas, gars, tire pas. Quel con, il a fait l'erreur de tirer. Aïe! Aïe! Mais bouffon! Oh là 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 là! J'ai pas bougé, j'ai pas osé bouger, j'ai bien fait! Oh! Quand j'ai vu le gars se mettre à côté de moi, j'ai fait oh non, fuck! Et puis j'ai vu l'alien, je me suis dit ouais, on est morts tous les deux. Je me suis dit, on va pas bouger, voir ce qui se passe. Et j'ai vraiment bien fait. Par contre, y a pas de point de sauvegarde, ça c'est dommage. Attendez, est-ce qu'il y a un point de sauvegarde tout près? On ne dirait pas, je le vois pas sur ma carte en tout cas. Ok. Ah, c'était chaud, hein. C'était tellement chaud, quoi. Mais j'ai beaucoup de chance avec l'alien, moi. Franchement, souvent, il passe à côté de moi et il me voit pas. Oh là 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 là. Oh, mais c'était vraiment juste à côté, quoi. Ouf. Hey, Chanty. Ah, j'espère que tu vas rester calme pendant la vidéo. Là, c'est pendant le chargement, donc c'est pas trop grave, mais... Ouais, merci. Le chargement était un peu long là. Je suis à Gemini, Waits. Il faut qu'on remette le courant dans ton bâtiment. Vous allez devoir utiliser le mot de charge. Mais je n'ai pas vu marcher depuis que Sixon a arrêté de financer les recherches de Gemini. Ok, donc du coup il me faut un truc pour actualiser ma carte parce que là je ne vois strictement rien. On va déjà les sauvegarder, ce serait déjà pas mal. Oh non, là tu me laisses tranquille là, Liana. Où qu'on soit, il y est quoi.
Voilà, ça c'est fait. C'est qui elle? On va pas y aller maintenant, ça va sûrement lancer une cinématique ou quoi, donc du coup je préfère ne pas y aller maintenant. On va d'abord fouiller ici. Puissance faible, ok, ouais, il m'a dit que je devais rallumer le courant, c'est vrai. Par là je ne peux pas y aller. Non, rétablir le courant, ok. Donc je suis obligé d'aller là où il y a la femme. L'alien! Oh, ok, on va pas le narguer, on n'est pas fou à ce point là. Marley, viens ici! Ellipse. Voilà, on se retrouve. On va crever ici. T'es au courant, non? Madame? Tu en as rien à foutre? Ok. Madame n'a rien à foutre, ok, elle sert à rien en fait. Je peux la brûler. Ça sent vraiment pas bon, tout ça. J'ai bien envie de la cramer. Elle veut mourir de toute façon. Alors on va l'utiliser comme un pas. Le gros enfoiré. On va l'utiliser comme un pas. Mais oui. Ne faites pas de bruit. Je ne fais pas de bruit depuis que j'ai commencé le jeu, gars. Moi je dis ça, après je dirais. Il faut que je rétablisse le courant pour pouvoir utiliser les conduits. Ah, c'est ça, avoir tout électrique. Hein. Dès qu'il n'y a plus d'électricité, on est dans la merde. Hein. Ah, bah ouais, toutes les portes sont fermées. Hey. Excusez-moi. Exoplanète solution. Ah, je peux utiliser ma carte. Alors, il y a quoi d'intéressant? Plein de trucs qui étaient derrière moi. Ok. Mais je ne pouvais pas les ouvrir parce que c'était. Il faut que je rétablisse le courant. Que je ne peux pas. Donc, il y a plein de trucs derrière moi. Donc, je suppose que je vais devoir faire demi-tour. C'est bavardé maintenant. Oh, le bruit de gouttes qui sont vachement bien faits. Oui, Marley. Il demande pour aller dehors. Alors, on va pas dire le mot magique. Mais bon. Là, en vidéo, ça va être difficile, Marley. Oh, oh. Ah, ok. Ok, non, je suppose que je dois suivre le chemin tout simplement. Je peux rien prendre. Est-ce que je peux fabriquer des choses? Ça, je peux le fabriquer. Allez. L'émetteur de son, je peux refabriquer. Ah, on va refabriquer, c'est très important l'émetteur de son, moi je trouve. Je peux en refabriquer encore, bon voilà, hop. J'entends de l'alien, c'est horrible. Le méchant qui commence à faire plein de bruit. Mais des quêtes aussi, est-ce que je peux. Oui. Alors, je vais peut-être devoir faire une ellipse parce que là, comme vous les entendez, ils sont en train de jouer. Ouais, je pense que je vais faire une ellipse, ça, ce sera mieux. Donc, ellipse. Voilà, ils se sont calmés. Qu'est-ce que je peux encore fabriquer ici? Ça, je peux. On peut sélectionner ça déjà. Alors, mais des quêtes à voir faire encore, tant que je peux. C'est très important, donc du coup, on va les faire. Hein. Ah, là, je peux sélectionner deux trucs. Ok, là je peux plus rien sélectionner et je peux prendre la morceau. Ok, parfait. Ok, donc là il y a notre druide, on dirait. Ok, oh, ok, il y a une caméra.
Ok. Est-ce que c'est grâce à la caméra qui m'a repéré ou pas? On va attendre qu'il remonte, hein. Bon, dès que je l'entends monter, on y va. J'espère qu'il va remonter quand même. Là, je l'entends partir loin, mais il est pas remonté. Est-ce qu'on y va? Non, il faut qu'il remonte. Je pense qu'on va y aller. Allez. Ouais, s'il est, je l'ai pas vu là. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est remonté. Donc la caméra. Eh oh! Il n'y a pas juste ici, caméra. Il descend pour remonter, lui. Il fait son échauffement. En fait. Détecteur prochain plasma amélioré. J'allume au casque, c'était les necks allumés. Amélioré. Oh là là. J'ai dit n'importe quoi. J'ai pas envie de mourir en fait. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il voit dans le noir l'alien? Alors je sais pas vous, mais moi je ne vois strictement rien. Là pour moi j'ai un écran noir. Quelle est cette chose là? Ah non, ça va être terminal. Bah je crois qu'il va encore devoir faire une ellipse à cause de... 88-97. C'est combien? C'est 88-92 ou 88-97? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Les gars! S'il vous plaît. Faut rien de mal, mais... normalement, j'ai dans mes écritures... 88-97, oui. Ouais, je vais faire une ellipse encore, parce que là... Mais voilà, excusez-moi. Je vois strictement rien, quoi, c'est horrible. Pas grave, on va y aller. Le truc, c'est que j'ai même pas pu sauvegarder. C'est vraiment ça le problème. Oh bah attendez, y'a pas de sauvegarde là? Non, c'est la porte. Ok, bon, je suis où là? Ok, c'est ici que je dois faire un truc, mais j'aimerais bien avoir un point de sauvegarde, bordel! Y'a pas de point de sauvegarde.
Connexion de la zone réhabilitée. Courant restauré aux disjoncteurs locaux. Dites-moi où sont les disjoncteurs, Wade. Il y en a un dans le laboratoire d'analyse. L'autre est dans la salle de décontamination. Ok. Porte fermée, j'espère qu'il va pas monter dans ce conduit là. J'espère qu'il va vraiment pas monter dans ce conduit là. Je l'entends, il est juste en dessous, je peux pas descendre. Allez. Il attend quoi, bordel? Le problème, c'est que j'ai pas pu sauvegarder, donc du coup... Ok, il m'a pas pas me considérer comme un ennemi. Ok, je sais pas si c'est là que je dois aller, mais bon, j'y vais. Poète sauvegarde, poète sauvegarde, poète sauvegarde. Où es-tu, poète sauvegarde? Je dois aller à deux. Où es-tu, poète sauvegarde? Non, 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 non. Ça a fonctionné? J'étais pas sûr que ça fonctionne, hein. Est-ce que je peux... Pourquoi je peux pas monter? Je peux pas monter, les gars. Ah, voilà. Foutu. Oh là 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 là. Mais alors là... J'étais mais pas du tout sûr que ça fonctionne, hein, vraiment. Ok, donc là je vais jusqu'au bout, je sais pas jusqu'où ça va, mais on va y aller. Ok, donc le lance-flamme peut me sauver la vie. Ça, c'est bien utile à savoir. Donc je dois activer le disjoncteur du laboratoire d'analyse, activer le disjoncteur de la salle de décontamination. J'aurais aimé d'abord aller à celle-là, puis retourner en arrière. Ce qui va... Ah, je sais pas, on va retourner en arrière. Donc je sais pas combien de fois il pourra me sauver la ville, lance-flamme. Si par exemple deux fois de suite il accepte pas, enfin il s'en fout quoi, l'alien. Peut-être qu'on peut le faire une fois tous les X temps, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai essayé d'activer le truc d'urgence, mais je me suis un peu fail. Du coup, j'ai cliqué à côté, puis une fois que j'ai cliqué dessus, bah, il avait déjà passé la porte à l'alien. Et du coup, bah voilà. Ah, le point de sauvegarde là-bas. J'ai vu le point de sauvegarde. C'est le plus important. C'est étrangement calme. Ok. Voilà, ça c'est parfait. Alors, j'étais juste à côté du truc. Donc c'est à l'échelle, je suppose. Oui. Ok.
Ok, que dois-je activer? Ok, ça c'est pour me cacher. Je reste accroupi, mais tout le temps quoi. J'aimerais bien. J'espère qu'on voit les stats à la fin de la partie. Voir combien de temps je reste accroupi. Surtout ça en fait, juste pour ça. Combien de temps je reste accroupi quoi. Évidemment, il va falloir faire tout un détour. Hein. À droite, il y a quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit utile que je l'aille utilisé là puisque le point de sauvegarde n'était pas très loin. Mais bon, j'ai paniqué donc je l'ai utilisé. Erreur, erreur. 2743. 2743. Mais tout à l'heure là on a eu un code, on l'a pas dû l'utiliser là. 8897. Oh ouais, je pouvais pas éviter ça. Ah, il m'a fait sursauter ce con. Alors là, je pouvais pas l'éviter. On va prendre la sauvegarde la plus vieille. C'est celle-là. Ah, j'aurais pu faire tout ce que je voulais, j'aurais pas pu l'éviter là. Je ne retourne pas très loin de toute façon, mais ça n'a pas l'air d'être... Là étrangement, bah si, je vois pas ce que ça pourrait être. Où ça pourrait être d'autre. Oh non, c'est pas derrière. Ok. Donc derrière moi, il y a rien. On a déjà vu s'il y avait. À voir, ouais. Ah, elle est ouverte. Ah oui. Moi je ne rigole pas là maintenant, hein. Tu me fais chier, tu crames maintenant, ok. Le mec il devient complètement fou. Et cette caméra là, elle finit par arrêter de pointer vers là ou... Ok. Je me doutais bien que le lance-flamme pouvait faire effet sur l'alien. Je me doutais bien. J'étais pas sûr, mais je m'en doutais un peu. Rien n'aime la chaleur. Alors, où suis-je? C'est ça que je dois réparer ou quoi? M'énerve ce conduit. Bon les gens, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.